Lors d'une interview télévisée, le père de Meghan Markle a une nouvelle fois exprimé sa déception de ne pas avoir de nouvelles de sa fille depuis son mariage avec le prince Harry. Après l'annonce de sa grossesse, il avait indiqué qu'il envisageait de recourir à la justice pour pouvoir rencontrer son futur petit-enfant. Thomas Markle tente désormais une approche plus douce pour renouer les liens avec sa fille. Dans le cadre d'une interview accordée à la chaîne britannique ITV lundi 17 décembre, le père de Meghan Markle lance en effet un appel à la réconciliation et multiplie les marques d'affection à l'égard de sa fille dont il n'a pas eu de nouvelles depuis son mariage avec le prince Harry en mai dernier. Je suis très déçu. Je ne sais pas vraiment pourquoi on reste séparés ainsi. J'essaye toujours de la contacter et je n'y arrive pas, je ne reçois aucune réponse, confie l'homme de 74 ans. Je t'aime très fort, tu es ma fille et j'aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles, lance-t-il à sa fille. Quels que soient nos différends, nous devons être capables de les résoudre, nous sommes de la même famille, alors s'il te plaît contacte-moi. J'espère que cela sera résolu, cela ne peut pas durer pour toujours, ajoute-t-il. Alors que Meghan Markle accouchera au printemps prochain, son père espère qu'il pourra voir la petite Meghan ou le petit Harry. Il doit y avoir une place pour moi, je suis son père et je serai le grand-père de ses enfants, souligne Thomas Markle qui espère que tout se passe bien. Il n'est pas certain toutefois que ses demandes soient entendues. La duchesse de Sussex semble en effet avoir décidé de couper les ponts avec son père, après les critiques acerbes répétées qu'il a proférées à son égard dans la presse depuis son entrée dans la famille royale britannique.